Et depuis que j'ai signé ici, c'était l'objectif. Tous les ans, on l'a raté de peu quelques fois. Voilà, j'aurais eu des regrets si j'étais parti de Brest en laissant Brest en Ligue 2. Voilà, c'est vrai que là, on a vécu des saisons exceptionnelles, une qui était vraiment parfaite. Et du coup, ben, voilà, c'est le travail de toutes ces années-là. J'étais bien installé à Brest, j'aimais la vie ici, les supporters, le stade, tout. Voilà, j'aimais vraiment le foot qui était ici. Je trouvais que c'était différent de ce que j'avais connu. Ouais, Je suis à la d'accord. fin de mon premier contrat, je me suis dit clairement, voilà, moi, j'ai de fin. Mon idole, entre guillemets, c'est Steven Gerrard. J'ai toujours voulu être le joueur d'un club. Voilà, si j'avais pu faire toute ma carrière dans un seul club, je l'aurais fait, c'est clair. C'est vrai ce que tu aurais choisi. Bah ouais, c'est sûr. D'accord. Sur toute ma carrière, là, oui, j'aurais choisi Brest, c'est ça. Ça, D'accord. c'est sûr. C'est juste là, du coup, quand je regarde, on me dit que j'ai fait 149 matchs avec Brest. Un de plus, ça aurait été bien, j'aurais fait un chiffre rond. Non, mais c'est clair que bah voilà, je suis très heureux que on se souvienne de moi. Après, c'est pas le plus important, mais voilà, j'espère que quand je reviendrai, je serai bien accueilli. Peut-être pas autant que Grougy, mais mais voilà, on va dire C'est le maire. juste, ouais, c'est clair. Bah, l'adjoint au maire, tu vois, j'aimerais bien avoir ce poste-là maintenant. Moi, il y a un moment surtout qui me reste en tête, même après la montée et tout. C'est il y a 2-3 ans, quand on joue contre le Gazélec Ajaccio, le dernier match de championnat. Ouais, je me souviens de ce match où, enfin, je sais plus, vers la 60e ou comme ça, on était en train de mener. Et donc, ça jouait, il n'y avait pas d'action et tout. Et là, d'un coup, le stade, il s'est mis à, enfin, voilà, à gronder. C'était un truc, ça m'a fait des frissons. Je me suis arrêté de jouer, j'ai regardé le stade. Et je me suis dit, mais c'est magique. Bah, j'ai revu en plus là, voilà, on m'a envoyé pas mal de messages, de vidéos et tout. Et il y a un jeune supporter là qui a refait l'action dans son jardin avec des potes à lui, avec les commentaires du match. Et là, j'étais explosé, c'était vraiment énorme. Grenier dans la surface de réparation. Oh, qu'est-ce qu'il a c'est fait? incroyable! Qu'est-ce Mais qu'il a ton fait? filet, c'est ton Oh! filet au fond! C'est ton filet au fond! C'est le but de l'année! Gaëtan Veillon! Et ouais, non, mais franchement, c'est un moment qui restera gravé là dans toute ma carrière. Comme un des meilleurs, c'est clair que déjà jouer contre Lorient à chaque fois, c'était une sacrée ambiance, que ça soit ici ou là-bas, grâce aux supporters brestois la plupart du temps. Mais voilà, franchement, c'était quelque chose qui était vraiment magique de marquer ce but-là avec le scénario du match qui a été extraordinaire. Voilà, un match intense, je pense qu'en Ligue 2, on n'en a pas vu depuis les 10 dernières années, c'était un des meilleurs matchs qu'il y a eu, je pense. Voilà, c'était marqué à ce moment-là, c'était vraiment énorme. Voilà, il y a un des meilleurs publics de France à Brest. Francis Leblay fait vibrer toutes les équipes. Voilà, continuez surtout à supporter Brest comme vous le faites.